Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ce joli motif ajouré. Je vous le présente ici en continu. Alors pour le nombre de mailles, ici ça prend 40 mailles pour faire le motif. Et on répète toujours les mêmes 12 rangs. Je les fais 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5 fois les 12 rangs. Alors ici, j'ai préparé mes mailles, 40 mailles, entre des marqueurs pour l'emplacement de mon motif qu'on va voir ensemble. Alors on va commencer immédiatement avec le rang numéro 1. Alors la première maille, on la tricote à l'envers. Ensuite, 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va faire 3 mailles ensemble inclinées vers la droite. Alors moi, je vais tirer un petit peu ici sur les 2 mailles qui sont plus loin là, pour faciliter, pour les prendre les 3 mailles par la gauche. Comme ceci, et on les tricote les 3 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, on fait un jeté. On tourne notre laine. Une maille en droit. Et un jeté. Maintenant, on veut tricoter 2 mailles envers. On ne fait un jeté, alors on doit faire un autre tour pour tricoter nos mailles envers. Les 2 mailles envers. Ensuite, une maille en droit. Un jeté. Les 3 prochaines mailles, comme on a fait plus tôt, 3 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 3 mailles en droit, 1, 2, 3, un jeté. Ici, on va faire un surjet double. Alors, le surjet double, on glisse la première maille et on tricote ensemble les 2 mailles suivantes. Et on rabat la maille qu'on avait glissée. Pour le surjet double, on poursuit avec un jeté, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 2 mailles envers. Ici, on veut faire un jeté avant une maille en droit et on a fait une maille envers. Alors, vous voyez ici, mon fil est devant parce que j'ai fait une maille envers. On laisse le fil devant pour tricoter notre maille en droit. Et lorsqu'on passe notre fil ici pour tricoter notre maille, ça fait notre jeté. Ensuite, un jeté. Un surjet double, donc on glisse la première maille, on tricote ensemble les 2 mailles suivantes et on rabat la maille qu'on avait glissée. Ensuite, 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on termine la dernière maille à l'envers. Pour les rangs pairs, c'est-à-dire pour tous les rangs de retour, ils vont tous se faire de la même façon. Alors, je vais le faire une fois avec vous, mais pour le reste de la vidéo, vous allez répéter toujours la même chose pour les rangs de retour.
Alors, on commence avec une maille en droit. Ensuite, 10 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais vous montrer ici, vous voyez, quand vous arrivez à des mailles qui se présentent de cette façon, c'est comme un fil, c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Alors, on tricote comme les autres mailles, on prend le brin par-dessous et on tricote à l'envers. Alors, ça, c'était ma huitième maille. 8, 9, 10. Ensuite, deux mailles en droit. 14 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ensuite, deux mailles en droit. 10 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière maille à l'endroit. Le rang numéro 3, on commence avec une maille en vert, ensuite 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 3 mailles ensemble. Je tire toujours sur mes mailles, je trouve que c'est plus facile pour les prendre, les 3 ensemble à l'endroit. Ensuite, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, deux mailles en vert. Maintenant, je veux faire un jeté avant de faire les 3 prochaines mailles ici, là, les 3 prochaines mailles, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Mais pour faire mon jeté, voyez ici le fil est devant. Donc, je laisse le fil devant. Je vais tricoter mes 3 mailles ensemble et en passant mon fil, voyez, par-dessus, ça va faire le jeté ici. Et les 3 mailles ensemble. Un jeté, maintenant 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, un surjet double. Alors, le surjet double, comme on a vu, on glisse la première maille. On tricote les 2 mailles suivantes ensemble et on rabat la maille qu'on a glissée. Ensuite, un jeté, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, 2 mailles en vert, 1 maille en droit, un jeté, 1 maille en droit, un jeté, 1 maille en droit. Si un surjet double.
4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4 et la dernière maille à l'envers. Alors, comme je vous disais, là, tous les rangs de retour, c'est comme on a vu précédemment. Ce sera toujours la même chose à répéter pour les rangs de retour. Le rang numéro 5, on commence avec une maille envers. Ensuite, 2 mailles en droit. Trois mailles ensemble. Ensuite, deux mailles en droit. Un jeté. Une maille en droit. Un jeté, deux mailles en droit. Maintenant, deux mailles envers. Cinq mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq. Un jeté. Trois mailles ensemble. Un jeté. Une maille en droit. Un jeté. Un surjet double. Un jeté, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, deux mailles en droit. Un surjet double. Deux mailles en droit. Et on termine toujours avec une maille envers. Je vais vous montrer ici ce qu'on a fait jusqu'à présent, nos cinq rangs. On en a presque comme la moitié de fait de nos 12 rangs. Alors maintenant, le rang numéro 7, on va commencer avec une maille envers et immédiatement 3 mailles ensemble. On continue avec 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Un jeté. Une maille en droit. Un jeté. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Ensuite, 2 mailles envers. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. Un jeté. 3 mailles ensemble. 1 jeté, 3 mailles en droit, 1,
2, 3, un jeté, un surjet double. Ensuite, un jeté, une maille en droit, deux mailles envers, trois mailles en droit, une, deux, trois, un jeté, une maille en droit, un jeté, trois mailles en droit, une, deux, trois. Ici, on va faire un surjet double. Et on termine avec la dernière maille à l'envers. Le rang numéro 9, la première maille à l'envers. Ensuite, 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles envers. Trois mailles à l'endroit. Une, deux, trois. Un jeté. Ici, trois mailles ensemble. Un jeté, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, un surjet double. Ensuite, un jeté. Et ici, on veut tricoter deux mailles envers. On a fait un jeté, on doit faire un autre tour pour tricoter nos mailles envers. Donc, deux mailles envers. Ensuite, 10 mailles en droit. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière maille à l'envers. Le rang numéro 11, on commence avec une maille envers et ensuite 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles envers. Deux mailles en droit. Ensuite, un jeté, trois mailles ensemble, un jeté, une maille en droit, un jeté, un surjet double.
un jeté 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles envers, 10 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière maille à l'envers. Alors là, j'ai fait le rang de retour, le rang numéro 12, et ça complète les 12 rangs qui sont à répéter. Alors vous reprenez au rang numéro 1 et vous faites le nombre de fois les 12 rangs là, pour selon votre projet. Alors, voici le résultat de notre beau motif. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt!